présentez-vous d'abord. Je m'appelle Babacar Badji, étudiant au département de géographie en Master 2 d'aménagement du territoire de décentralisation locale et président de l'association des étudiants pour le développement de la Casamance, plus connue sous le nom de Kébé. Alors, quel est l'objectif de votre rencontre? Aujourd'hui, nous initions une caravane pour aller au moins répondre à l'invitation du mouvement des forces démocratiques de la Casamance qui organise le dixième anniversaire du rappel à Dieu de l'abbé Augustin Diamant-Pinsengon. Occasion pour eux de renouer avec les autres bureaux qui sont constitués par l'aile civile politique pour pouvoir au moins asseoir un dialogue et construire une dynamique unitaire pour pouvoir au moins arriver à la table des négociations avec le gouvernement du Sénégal. À la table de négociation de quoi? Sur quel point? Sur le processus de paix qui a été débuté depuis 1991 et qui tarde à trouver une issue et au moins permettre aux populations de la Casamance de pouvoir jouir de tous leurs droits de liberté et pouvoir aussi se projeter dans l'avenir et assurer le développement. Alors qu'est-ce que vous voulez? Quel message lancez-vous à travers ce caravane? Cette caravane-là, nous lançons un message d'unité. C'est pourquoi même vous allez voir dans nos t-shirts les slogans, c'est Oudia Moral Casamance. Soyons unis, soyons ensemble, faisons la paix. Voilà les messages que nous au moins lançons aux autorités, mais aussi aux acteurs qui sont autour de la question de la résolution du conflit en Casamance. Donc vous êtes préoccupé par la résolution de la crise casamancaise en bien vous entendre. Effectivement, parce que ce conflit nous a vu naître et aussi c'est dans ce conflit qu'on a grandi. On a vécu un peu tout ce qui s'est passé en Casamance durant cette période de conflit. Et aujourd'hui, on est à l'université en train de poursuivre nos études. Et là, nous avons fait un cas d'école cette situation de crise et ça nous a mené à un diagnostic qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir au moins être une force de proposition par rapport à ce processus de paix. Alors, quel message lancez-vous à travers cette caravane? Je reviens encore par rapport à ce message que vous m'avez demandé tout à l'heure, c'est que juste un message d'unité entre les frères et sœurs du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Et aussi que le gouvernement du Sénégal au moins puisse au moins accepter d'en finir une bonne fois pour tout par rapport à cette question de paix en Casamance. Parce que nous avons assez un peu de vivre cette situation de ni paix ni guerre en Casamance. Alors, en tant que Casamance, aujourd'hui on nous parle d'une probable intervention militaire en Gambie, et vous êtes de la Casamance et vous avez vécu beaucoup d'années de guerre. Aujourd'hui, quel message lancez-vous à travers cette guerre? Je m'en vais d'abord tirer les leçons d'un conflit parce que j'ai vu qu'en Casamance, lorsque le conflit a éclaté, ça a causé beaucoup de dégâts. Je peux dire un peu, les services sociaux de base ont été défectueux et aussi les populations se sont déplacées sans trouver au moins une situation un peu avantageuse par rapport à leur vécu. Donc ce qui revient à dire qu'aujourd'hui une intervention militaire en Gambie n'est pas une solution réfléchie de mon avis. Parce que la CEDEAO c'est d'abord 16 pays et dans ces 16 pays-là, il y a deux pays qui s'engagent à au moins cette intervention militaire, c'est le Sénégal et le Nigeria. Je pense que c'est une décision à revoir et que le gouvernement aussi du Sénégal doit au moins prendre l'entière responsabilité de conduire une résolution pacifique de ce problème en Gambie. Donc vous êtes préoccupé par la paix en Gambie, notamment en Casamance également? Effectivement, parce que nous sommes un peuple qui a partagé les mêmes réalités. Et aujourd'hui, la majeure partie des populations qui ont quitté la Casamance à cause du conflit se sont trouvées en terre gambienne et ils ont été accueillis là-bas. Mais nous avons constaté ces derniers temps qu'il y a eu des vagues de populations qui quittent la Gambie pour un peu revenir en Casamance, alors qu'on sait bien que cette zone frontalière est une zone vraiment sous haute tension. Donc il faudrait aussi que un peu la sous-région puisse au moins statuer sur cette question et que l'Afrique de l'Ouest sache que ce n'est pas l'heure un peu de jouer un peu à des interventions militaires dans ce secteur. Alors, si vous voulez, l'objectif nous avons une association étudiante qui est Casamance, nek fi université Sciences Po de Dakar, nous gën len xamé ci touru Kékendo, moy dox jamm. Ndox jamm bobu dafa tombé ci li nga xamné woté bi MFDC woté bi Casamance ngir magal bëss bi nga xamné mom la labé Augustin Diamant-Pinsengon nekkon secrétaire général, bëss bi nga xamné mom lañ ko dencion jëbël ko suñu borom ci biir cimetière de Brin bu Ziguinchor. Nous di ci woy ñepp ñi nga xamné mën nañ ci ñëw pour participer parce que MFDC dafa jël ben taxaway ren néna ñom it dinañ organiser ay réunions entre différents bureaux yi nga xamné ñom ñoo nekk ci biir aile civile politique bi pour ñu mëna tok waxtaan
def ben baat bokku nday ak bay daal di taxaw tam pour mëna yegg ci jamm jojju non lool nga xamné Casamance itam yag nañ ko jojju té kon bu démé ba ñom ñi nga xamné ñom ñoy mouvement des forces démocratiques de la Casamance ba jël initiative bobu dañ ko ci wara renforcer dañ ko ci wara accompagner lool mo nek ci ñu suñu tank tay ci caravane bi ñuy organiser alors ban message ngeen bëgg jallalé ci caravane bobu non ngeen di def message jappanté message unité ak message bolo doon ben ndax lolou kessé mo ñu mëna yobé ci jamm ak message yi waxtaan nangu tok waxtaan ndax fogg na ni ci waxtaan ci la lepp xej kon yeen tay ji ngeen dëkk Casamance ñu gis né tamit ñoo ngi wax ben intervention militaire ci réewum Gambie té yeen wa Casamance ngeen dundoon guerre ay atu at tay ji lan moy seen position en tant que doomu Casamance wa motam mané la dama ci jëkke am ben jangat par rapport ak waxu guerre parce que ñun Casamance gis nañu xamnañu lu ci guerre Casamance bi guerre bi amone gis nañu population yi ñu déplacé wo gis nañu services sociaux de base yi c'était défectueux gis nañu un peu le retrait des partenaires techniques et financiers qui accompagnaient le développement kon tay ji ni lu nga xamné tay ji ni mom moy ñew mom lañu bëgg lañu bëgg sombi ci biir Gambie lolu day andi yaqouté ci biir Afrique de l'Ouest ñuy di ñaan nak ñi jitu rew yi nga xamné ñoo ngank CDAO ñu CDAO ñu daldi togaat saytu waat mbir mi nga xamné solution pacifique mo gën ci waxtaan la mëna dogu waye intervention militaire ñun de anduñu ci tay anduñu ci ëlëk té buñu sañoo nit kenn duko engager kon jamm mo leen soxal dal ci caravane bi ak activité yi ngeen narsé dal jamm mo ñu soxal ci caravane bi ak activité yépp lu ñu wara def parce que dañ caravane bi day jëf di tour bi parce que ngir problème Gambie bi motax dañuy jaar Tambacounda dog dugu Velingara dugu Kolda après dal di yegg ci Guinchor dal di lancer message bi partager ko ak population yépp fa nek non biir Casamance fatali ñu tour bi man Babacar Badji la tuddu nek étudiant master de département géographie aménagement du territoire décentralisation et développement local bi jité association des étudiants pour le développement de la Casamance merci parole non taxaw non ñu jël PC pardon